Chers amis, bonjour. Que de belles choses depuis mon arrivée hier en Corse, où je m'apprêtais ce matin à enregistrer une vidéo sur l'ancrage, donc ça va être la prochaine. Je m'apprêtais à filmer dans ce décor, avec ce petit jardin qui est là, que j'avais repéré hier. Donc je revenais ce matin avec la caméra, et puis une belle surprise m'y attendait, que vous allez découvrir après, dans cette même vidéo, en deuxième partie. Tout simplement que Anna, qui gère les lieux, je leur faisais le commentaire partagé qu'ils avaient déjà en conscience que leur petit jardin aménagé représentait fort bien pour moi, symboliquement, ce rocher, ce petit rocher, l'homme, symbole phallique, l'homme, énergie masculine. D'ailleurs, nous avons un petit lézard qui est en haut du rocher, si vous le voyez sur la petite descente, sur le côté droit, qui ne bouge pas. Et puis ce puits en arrière-plan avec ce végétal symbolisant le principe rond, la rondeur, le principe féminin, donc énergie et yin. Énergie yang, principe féminin en arrière-plan, en premier plan, énergie yang, principe masculin. On pourrait dire Shiva devant, Shakti derrière, Shiva Shakti. Et nous avons cette expression de la danse de Shiva Shakti, de la réunion du principe féminin masculin. Souvenez-vous, en nourriture pranique, on parle de l'alignement des quatre corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Et puis, j'avais fait une vidéo l'année dernière, que vous pouvez voir ou revoir à loisir, sur le double alignement, avec cet alignement du gauche avec le droit, donc du féminin avec le masculin. Et donc d'unir Shiva Shakti, ou d'unir de façon plus cosmogonique, terre et ciel, parce que la nourriture pranique c'est ça aussi, la nourriture en conscience c'est ça aussi, c'est ce double alignement, à la fois vertical, horizontal, qui va réunir dans tous les aspects, toutes les dimensions, tous les étages, tous les niveaux de notre être global, multidimensionnel, holistique, l'être que nous sommes. Et en nous réunissant, en nous réunifiant avec nous-mêmes, nous allons nous unir au tout. Et cette reconnexion au tout fait que nous sommes nourris par le tout. Et en réalité, la véritable nourriture, c'est la nourriture de la pleine conscience reconnectée dans notre univers, au travers de notre univers, avec l'univers dans lequel nous sommes, dont nous faisons partie, et en réalité, que nous sommes aussi. Nous sommes aussi cet univers. Si nous sommes une fraction de cet univers, eh bien nous sommes aussi l'univers, car l'infiniment petit contient l'infiniment grand, autant que l'infiniment grand contient l'infiniment petit. Et pour s'en rendre compte, eh bien une fois encore, les trois secrets de la nourriture pranique, silence du mental au ralenti, en veilleuse, immobilité, symboliquement parlant, de plus de lenteur pour plus d'ampleur, faire une seule chose à la fois, mettre du laisser-faire, du savoir-être dans le faire. Et la verticalité, c'est la réunion en son cœur de terre et ciel, mais aussi en son cœur de gauche et droit, donc du féminin et du masculin. Autrement dit, là où je veux en venir, c'est exprimer le couple intérieur. Et le couple intérieur va permettre aussi de réunir, d'unifier le petit moi égotique avec le grand soi extatique.
la nourriture en conscience, la nourriture pranique, revendique tous ces aspects-là. Eh bien, j'arrive ce matin avec caméra, micro, dans ce petit jardin, je m'installe et qu'est-ce que je vois, à ma très grande surprise ? Synchronicité. Pourquoi synchronicité ? Parce que cette nuit, on est venu me visiter dans mon sommeil. On est venu me visiter pour activer la libération de cette énergie concentrée dans le bas de la colonne vertébrale et de manière à la diffuser, à la diffuser, à la diffuser, à la diffuser dans l'organisme, mais aussi pour nourrir et éveiller un peu plus la conscience, la nourriture en conscience, la nourriture pranique. Cette énergie, on l'appelle la libido en Occident. En Orient, on la représente comme 3 tours et demi, comme un serpent, lové, entouré autour de lui-même et qui va s'éveiller, ascensionner, qu'on appelle en Orient Kundalini. Donc symboliquement représenté par un serpent qui monte. Dans ce canal central, au niveau de la colonne vertébrale, qui s'appelle Shushuna, et il va permettre l'ascension tout en permettant aussi la transmutation de cette énergie biologique primordiale, primaire, brute, on va dire ça comme ça, qui serait stockée dans le bassin et qui, canalisée, permettrait d'ascensionner, de nourrir, d'irriguer et d'ouvrir un peu plus la conscience, que l'on appelle dans les Védas et dans les Shastras, dans l'Inde traditionnelle, dans les écrits védiques et dans les Shastras, que l'on appelle Ochas. Ochas étant l'énergie libidinale, l'énergie sexuelle, libérée, déployée vers l'intérieur et vers le supérieur, vers au-dessus, pour relier terre et ciel, pour unir féminin, masculin, ou le symbolique féminin de la terre et symbolique masculin du ciel. L'unification. Cela procède bien sûr d'un centrage avec soi-même. Je vous invite à voir ou à revoir la vidéo que j'ai fait récemment sur centrage et expansion. C'est très important, c'est très pertinent. Mais aussi la notion de l'ancrage. L'ancrage a énormément de bénéfices, de bienfaits que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Et donc synchronicité. On vient me visiter cette nuit pour stimuler cette énergie, cette libération d'énergie et la déployer dans mon être multidimensionnel. Cette énergie, elle va ascensionner au travers du canal central de la conscience qu'on appelle Shushuna en sanskrit, mais surtout au travers des chakras et de cette double polarité yin et yang, féminin-masculin, qui est décrit dans l'anatomie subtile énergétique de l'Orient, de l'Inde, de la Chine, avec le canal Ida féminin, le canal Pingala masculin. Et Ida Pingala vont ascensionner et permettre à cette énergie de s'élever et de nourrir tout l'être, en même temps qu'il y a cette réunion avec le grand tout. Vous allez trouver ça assez farfelu, j'en conviens. Ça me fait complètement penser Clinique Ambroise Paré à Nancy. Bonjour Nancy. Clinique Ambroise Paré à Nancy, il y a quelques années, j'étais en consultation préopératoire, pré-anesthésique, avec le médecin anesthésiste qui recevait les prochains opérés, les prochains patients opérés pour un bilan préopératoire, donc essentiellement une prise de sang. Les patients venant dans mon bureau et auprès de qui je réalisais le prélèvement sanguin, donc une prise de sang. Une dame âgée, 70-80 ans, très bien habillée, arrive dans mon bureau avec son ordonnance, après avoir vu le médecin anesthésiste, s'assoit dans le fauteuil et je prépare son bras, je relève la manche, je mets le garrot, je prépare les tubes à prélèvement. Elle pose sa main sur la mienne et me regarde en me disant « Qu'est-ce que vous êtes beau ?» Alors bien sûr,
ça ne pouvait absolument pas être une séduction de sa part. Et j'ai intuitivement, instinctivement ressenti que c'était plutôt au sens figuré qu'il fallait entendre ça. Donc, qu'est-ce que vous êtes beau voulant dire ? Vous savez, vous allez comprendre. Vous avez quelque chose à l'intérieur, qui sait ? Alors, je lui ai dit, oui, madame. Et elle me dit, est-ce que je peux vous parler ? Je lui dis, allez-y, qu'est-ce qui vous arrive ? Elle me dit, ils me prennent pour une folle. Mais qui ça ? Les médecins, ils me prennent pour une folle. Ah bon ? Oui, parce que je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai des vertiges. Mais enfin, ce n'est pas des vertiges où je vais tomber par terre. Je sens que ça tourne à l'intérieur. Ça tourne à l'intérieur. Je me sens décollé, mais j'ai les pieds sur terre. Donc, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Et ça me chauffe, dans toute la colonne, ça me chauffe, dans le dos. Et je ne sais pas ce qui se passe. Ça me fait presque peur. Alors, on a fait des examens, on a fait IRM, scanner. Mais ils ne trouvent rien. Et vous savez quoi ? Maintenant, ils veulent m'envoyer en psychiatrie. Alors je lui dis, madame, l'énergie de vie qui est concentrée dans votre colonne vertébrale et qui, chez certaines personnes, spontanément sort, s'exprime, s'élève, et c'est ce qu'on va appeler des poussées de Kundalini. Voilà. Eh bien, je vais vous faire, j'espère, ce cadeau que la vie m'a fait ce matin en synchronicité avec ce rêve ou cette visite nocturne pendant mon sommeil. Eh bien, d'arriver dans ce décor, face à la mer Méditerranée, et puis de m'offrir cela. Voilà, je trouve ça fantastique, magnifique. Shiva Shakti qui danse ensemble, symboliquement, allégoriquement, physiquement, vibratoirement parlant. Je vous souhaite de vibrer comme ça me fait vibrer à l'intérieur, ce cadeau de la vie. Voilà, magnifique synchronicité. Stage de 14 jours en Corse qui démarre véritablement aujourd'hui. Je vous souhaite une belle rencontre. C'est une invitation à un rendez-vous précieux, unique, d'une belle rencontre, d'une belle retrouvaille, de belles retrouvailles, de belles épousailles, de noces alchimiques, du couple intérieur, du féminin et du masculin. Et que le moi névrotique, que le moi dualiste que le moi analytique épouse, se fonde dans le soi extatique, dans le soi unificateur, pour une pleine santé, une pleine conscience et un déploiement de l'être dans le rayonnement de la joie sans objet, c'est-à-dire
de la connexion au centre du cœur, à la conscience solaire, comme disent les orientaux, ou le sacré cœur, ou le cœur christique, comme diraient les occidentaux. En tout cas, réunir le masculin et le féminin, unir les quatre corps et rencontrer, se rencontrer dans ce cœur, au cœur du cœur. Être centré et ancré au cœur du cœur, c'est être connecté au cœur de chaque cellule de notre organisme, mais aussi au cœur du grand tout, lequel devient pleine nourriture. C'est pour moi la définition de la nourriture en conscience, de la nourriture pranique. À très bientôt. Nous parlons de l'ancrage dans la prochaine vidéo. Belle journée à vous.